bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 36, évidemment, de notre incroyable aventure sur Forbidden West, l'Ouest prohibé, Horizon Zero Dawn. Et j'ai affiché la piste, on va voir un petit peu où cela nous mène. Sachez tout de même qu'ici il y a un magnifique coffre à fouiller et évidemment un fragment de l'univers. Ça fait lume verte, c'est très précieux et ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas trouvé. Donc je peux vous dire les amis, c'est ça sûrement fait d'ici que vient plaisir. Le troupeau. Allez, on est parti. Je on va suivre cette petite trace. Bien sûr. Hop, dans l'autre sens. Mais alors attendez, c'est un troupeau de quoi? Ça me fait très peur cette histoire. Ça me fait très très peur. Ok. Ça fait le tour. Hop, mort. Ok, ok, ok. Hop, ça on prend. Désolé les vautours. C'est comme ça que ça se passe. Soit les vautours te bouffent, soit tu bouffes les vautours. C'est tout. C'est l'histoire de la vie, de la nature. Ok. Voilà le troupeau. Les machines devraient me fournir les pièces qu'il me faut. Détruire le troupeau. Oh. D'autres machines? Je ferais mieux de m'en charger d'abord. Ah. Je n'avais pas prévu cela. Très bien, ça n'a aucun effet. Défense de ce qu'on est en train de se passer. On va rester ici. Le piratage va cesser de toute évidence. C'est pas bien grave. Et comme ça, je vais pouvoir lui faire une petite attaque surprise. Parfait. Parfait, parfait. Très bien, viens par ici, toi. Viens par ici, je vais te faire la peau, petite. Ok. Bon, l'épisode commence sous le signe de l'infiltration. C'est trop bien fait, mais matez les détails. Le sable, on dirait presque du photoréalisme. Exceptionnel. Parfait. Allez, on crie aussi, ça dégage. Ok. Où est le reste de groupe, si je puis me permettre. J'ai pas compris, je les ai pas vus. Ils sont là, pour moi. Yeah.
Wow, pas mal ça. Belle attaque. Belle attaque, on respecte l'adversaire. Bon. Parfait. Voilà, ils ont leur... Ils voulaient passer le troupeau. Ah oui, d'accord, putain, c'est pas terminé. Merde, je croyais que c'était ça le troupeau. Oh, j'aurais pu être tellement bien. Ok. Ah non, j'étais persuadé que le troupeau, c'était ça. Bordel de caca, excusez-moi de cette expression, mais j'ai un seum phénoménal. Je pensais que le troupeau, c'était le bordel qui était en l'air. Bah alors, on va droit à la catastrophe. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Bon, pas le temps pour vos conneries. Bon. Ok. Dommage que j'ai pas de flèche électrique. Bon, allez, mate ça. Regarde, j'ai le contrat que tu as fait en passant pour tes conneries. Voilà. C'est bon, ça te va? Comme preuve? Est-ce que la preuve est assez concrète, les amis? J'ai bien l'impression que oui. Ok. Une tornade? What the fuck? C'est trop stylé. On dirait que le troupeau est coincé entre ces tourbillons de sable. Je pourrais en profiter. Ok. Wow, bien wesh. Bien wesh. Ok. Bien joué à toi, j'ai strictement rien pu faire, tu m'as fait rouler dans le sable en fait, t'as été le meilleur. Bon. J'ai peut-être ma petite idée, j'ai peut-être une idée qui peut être extrêmement démentielle. On dirait que le troupeau est coincé entre ces tourbillons de Matez sable. Matez ça. Je pourrais en profiter. Le feu me faciliterait les choses. Wow. Ok, très bien. Bien. Très bien, ça ne s'arrête plus. Ça c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Boum! Allez! Ça c'est Bibi aussi qui régale! Ah!
terminé pour toi, petit. Une rotule. Bien. Hop, toi, t'as pas le niveau non plus. Ça, c'est les sauteurs, ça, les kangourous. Il est beaucoup trop fort. Il jongle avec mes couilles. Parfait. Allez. Mort. Mort dans le film. Pas le temps pour vos conneries, je vous ai déjà dit. Cette membrane synthétique est de la bonne taille, mais... elle est abîmée. Je dois fouiller une autre machine. C'est bon. Détruire le troupeau, c'est fait. Obtenir les pièces, c'est fait. C'est parfait. Évidemment, fallait détruire la plus grosse des machines. Pas de soucis. Allez, on passe d'ores et déjà à la suite, les amis. Incroyable. Ça, c'est plutôt bien fait. On a plutôt bien géré. Je crois qu'on est mort une seule fois, si je ne m'abuse. Je m'abuse peut-être, je ne sais pas. À vous de me dire. Wow, wow, calme, calme, calme. On va commencer ça, quand même. Qu'est-ce qui se passe par ici? Très bien. On va save ici. Au calme. Pardon. D'accord, d'accord, d'accord. Ici, je crois que c'est un point de non-save. Hein. C'est incroyable. Oh, je suis obligé d'aller récup. C'est du violet. Moi, quand du violet tombe, vous savez que c'est ma couleur pas du tout préférée. Mais je prends quand même. Ok, allez, on est reparti. Bon, écoutez-moi bien. On a donc de quoi faire normalement la sorte de tuba qui va nous permettre de pouvoir plonger beaucoup, beaucoup plus longtemps dans les profondeurs marines, sous-marines, je dirais même. Tout comme c'est dans les trailers et les bandes-annonces qui nous ont montré qu'à un moment on plonge et on explore le fin fond de l'océan. Donc ça, c'est plutôt cool. Clairement, on prend. On prend, on prend, on prend, on prend. Allez, c'est parti, on va se créer la suite. Boum. Très bien. Ok. On va aller là-dessous. Voilà. Parfait. S'il te plaît. Voilà. On a eu très très chaud. La capsule d'air comprimé. J'espère. Et enfin, je devrais avoir toutes les pièces. Allez, régale-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, partenaire? J'ai tout ce qu'il me faut pour construire le... L'incroyable masque de plongée. Je crois que masque de plongée suffit. Comme tu voudras. L'atelier est à toi. Allez! Amélioration de sac. Très bien, très bien. Hop, événement spécial. Masque de plongée. Il nous reste un point d'interrogation. Plutôt très très cool. Un respirateur spécial permettant de plonger profondément sous l'eau. Allez. Waouh. C'est une merveille. S'il fonctionne, je pourrais essayer. Je veux plonger et remonter ces braises. Si j'arrive à ne pas me noyer. Qu'est-ce que tu cherches au juste au fond de cette eau? C'est très compliqué. Quelque chose qui a perturbé le dispositif qui contrôle cette cité antique. C'est ça qui l'a inondée. Oh, je pensais que c'était notre faute. Comme une sorte de piège qu'on aurait déclenché en venant. Comme je l'ai dit, les lumières ont changé brusquement pour des fonds marins. Il y a eu une lueur rouge, et le rugissement de l'eau s'est fait entendre. Attends, une lueur rouge ? Oui, une lueur rouge, venant d'un lieu près de la grille au sol, de là où est venue l'eau, comme une balise. Ou un signal. Merci, ça peut m'aider. C'est tout ce que je te souhaite. Bonne chance en bas. Bon, il est temps de voir si cette chose fonctionne. Alors... ça marche? Je peux respirer correctement ici.
Je pense que on va retirer toute l'eau, étant donné que c'est que des parois d'escalade. Plonger sans tenir le coup. J'ai jamais pu plonger aussi profondément avant. Sugoi, Sugoi, Sugoi. Ok, je vous laisse lire, évidemment. Ça a commencé juste ici, il y a plus de 30 ans, quand ce casino s'appelait encore le Tempo. Un pari qui a... Je vous laisse lire. Oh, c'est long. Alors, on est tout en haut maintenant. Hop, deuxième partie. Et troisième partie. Bouleverser mon destin. Mais voilà que le destin nous a donné la pire main possible à chacun d'entre nous. Il faut que j'éteigne les lumières une dernière fois. Ça fait peur, là, le sonar. Ma maison d'adoption vont enfin se tarir. Enfin. Si un rêve doit mourir, je pourrais au moins lui dire au revoir. Stanley Chen. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Waouh. Oh, waouh. Ok, c'était un casino. Trouver Poséidon. On dirait une issue. Poséidon se trouve quelque part en bas. Il faut que je découvre où il se cache. C'est magnifique. Magnifique. Wow. Il n'y a aucun moyen pour que je tue ce bordel. Cet endroit est gigantesque. Et tout est encastré dans un dôme. Ok. Bon. Pas évident, hein. Il est trop stylé, hein. Cette porte est de l'autre côté. Les coordonnées vers les Poséidon mènent là-bas. Ok, j'ai. La lumière rouge. Je suis captivé par la beauté de ce jeu. C'est donc de ça qu'il me parlait, Fufu, je pense, quand il disait « Tu verras Poséidon, c'est incroyable. » Eh ben putain, c'est magnifique. Magnifique. Inondation critique détectée. Commande de drainage automatique désactivée. Pour lancer une vidange d'urgence, la réinitialisation manuelle des nœuds de pompage principal et secondaire est nécessaire. Alerte. Si je lance la vidange, inondation critique détectée. Je pourrais affronter cette commande de drainage automatique désactivée. Pour lancer une vidange d'urgence, la réinitialisation manuelle des nœuds de pompage principal et secondaire est nécessaire. Un point d'accès le premier nœud au sud d'ici. Ok. Trouver le nœud de pompe principal. Très bien. C'est hyper reposant. Je crois que c'est la première fois dans ce deuxième opus qu'on a une phase de jeu ultra reposante. Ah putain, on était au-dessus, nous les potes. Waouh. D'autres machines sont là. Je vais devoir nager parmi elles en me cachant. Une munition électrique me serait bien utile.
que je sois vraiment caché. Très bien. Voilà le point d'accès. Il devrait me mener vers le nœud de pompe. Ça va, ils ont pas rendu le truc trop insupportable. Merci. Merci de ne pas avoir rendu cette phase sous-marine insupportable. C'est grave faisable. C'est pas à prise de tête, en vrai. C'est cool. C'est hyper cool, vraiment. GG les devs. Je ne peux pas attendre le rebord d'ici. Je vais peut-être est-ce qu'elle avait quelque chose pour sortir. Ok. Attends, c'est une blague. Aucun effort à faire là ? Oh non. Aucun effort à faire là ? Et là ? Alors je vais peut-être retirer tout ce que je viens de dire. Bah mince ! Comment c'est faisable? Attendez, je... Possible que je sois bourse? Et dans ces cas-là, bah, j'ai loupé quelque chose de très important. Bah non. Bah alors ? Attendez, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Oh, bah si. Très bien. Le nœud principal est désactivé maintenant. Je crois que la dernière fois que je suis venu, c'était lors de l'incident Grande Lumière. Une panne a provoqué un afflux de détergent dans les canalisations. De la mousse a jailli des fontaines. On cherchait à trouver une solution. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu tout le monde. Des petits et des grands qui s'amusaient à courir après des bulles. De la dernière fois qu'on passait, un autre moment magique. Cette ville incroyable. Un autre enregistrement de Stanley Chen. Ok. Allez, il est temps. Là, un nœud de moins. Je ferais bien de remonter en nageant et de trouver le point d'accès du second nœud. D'accord. Donc, il y a plusieurs nœuds à supprimer. Ok, une fois retourné dans l'ombre, on pourra plus revenir ici. Vous l'avez compris. Je suis un menteur, c'est un problème. On peut totalement retourner par ici. Très bien. Retourner à la ville engloutie. Bon, on va y retourner. Ah, c'est par ici. D'après la carte, le second nœud devrait se trouver de l'autre côté du dôme. La machine est vulnérable ici. Ok. Je vois la lumière rouge. Okay.
pas mal. Un autre point d'accès. Pas mal. Il devrait me mener au second. Allez, go. Go, 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 go. Très, très, très content. Ah, c'est beau. Hein. C'est très, très beau. Hein. Ça doit être par ici. Ok. Bah dans ces cas-là, je suppose. Voilà, que c'est là. Je vais sortir de l'eau toute propre. Mais alors, c'est-à-dire que je vais devoir me battre avec les deux bordels, là, non? Je pense. Je viens de désactiver le nœud secondaire. Plus d'eau pour les fontaines. Plus de spectacle. Y'a plus personne pour en profiter de toute manière. Je n'oublierai jamais la grande réouverture de la ville. Les fontaines s'étaient taries depuis des années. Personne pensait qu'elles feraient leur retour. Lorsque la première colonne a envahi le dôme, la musique s'est lancée. Mon cœur a été emporté avec. Cette ville m'avait offert une seconde chance. Et je lui ai donné la sienne. Les dômes, toute l'eau. C'est lui qui avait fait tout ça. Ça ne bouge pas. Peut-être que les débris le maintiennent en place. Les débris. Bah oui. C'est évident. C'est évident, mais oui, messire. Voyons si c'est mieux. Allez. C'est bon. Je me suis chargé des deux nœuds. Il me reste plus qu'à activer la vidange d'urgence à la station de maintenance. Retourner à la ville engloutie, ça s'arrêtera jamais. On est mort. Ok. D'après la carte, la station de maintenance devrait se trouver dans la partie sud du dôme. Très bien, on va passer par. Je suis repéré. Mon seul prophète. La lumière rouge. C'est peut-être la station de maintenance. Mais... On dirait qu'une partie de ce bâtiment s'est effondrée. C'est peut-être mon ticket d'entrée. Oh putain, on a eu chaud. Allez. Je pense que je suis dans la station de maintenance. Je dois trouver une console et activer la vidange d'urgence. Oh, on a eu très très chaud, les amis. Ok. Très bien, ça. Ça me plaît, j'aime bien. Bon. Ok. On prend. Ah vache, ça me casse les yeux. Oh la vache! Ça me fusille la gueule à chaque fois que je fais ça. Nickel. Qu'est-ce qu'on a là? C'est sûrement ici. C'est prometteur. Voilà. Il devrait y avoir une console ici. Ok. Là. Oh, ça risque d'être magnifique. Il est temps d'assécher cet endroit. Oh, ça risque d'être magnifique, les amis. Matez ça.
a marché. Oh là 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 là, ça risque d'être fou. Je peux m'occuper de cette machine qui gardait la porte de l'autre côté du dos. Et une fois que je l'aurai vaincu, je pourrai atteindre ce qui se cache derrière la porte. Oh, si... Sinon, on la laisse, hein. On la laisse, hein. Moi, ça me gêne pas, hein. Apparemment, la vidange n'a pas évacué toute l'eau. L'arrêt du système est presque complet. Il ne reste plus qu'à tout désactiver au centre de contrôle. Mais là, j'imagine qu'on y est. Dernière promenade sur le strip. Et les lumières s'éteindront pour toujours. Au moins, je ne serai pas là pour voir sa destruction. L'Odyssée sera déjà en route pour Sirius lorsque la colonie arrivera ici. Mais... mon dernier souvenir de cette ville sera... vide. Une cité déjà morte. Il a tellement fait pour cet endroit. Il n'a pas l'air de le ressembler. Alors, je me suis kéblo parce que... Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'était par là. Deux doigts de bouillard. Ok. Trouver Poséidon. Il y aura sûrement un boss, je suppose. La vidange a laissé ses machines ici. Je pourrais me faufiler et m'occuper de la grosse d'abord. Me faufiler. Bon, bah, on va devoir faire la grosse machine. Waouh! On est donc dans un casino sous terre. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes tout simplement une très très bonne vidéo et un bon épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. On va s'occuper de tout ça dans l'épisode 37. Bye bye.